Yo tout le monde, c'est BlackCube et aujourd'hui je vous retrouve en cette fin d'après-midi du premier jour de vacances de la Toussaint, vacances que j'attendais plutôt particulièrement, je sais pas pour vous, mais voilà, donc les vacances sont enfin arrivées, pouvoir souffler un petit peu, etc. Parce que c'était les cours étaient un petit peu chiant, prise de tête surtout avec le stage que j'ai toujours pas d'ailleurs. Mais voilà, on va pouvoir donc souffler un petit peu. Donc, je vous fais cette nouvelle vidéo. Je vous l'avoue qu'elle est assez tardive par rapport aux autres réelles vidéos que j'ai fait. Parce qu'on va dire que j'ai mis avant-hier, je crois, donc le 25, c'était quand? C'était jeudi soir, voilà. Si jamais vous l'avez pas vu, une vidéo pour gagner 3 codes 48 heures sur Wars. Donc, 3 codes qui sont valables à partir du 31 octobre. Sauf que ce n'est pas sur ma chaîne que le concours se passe, mais sur la chaîne de Baby Wesh, de Darkness MG, ou alors plus OZX pour ceux qui connaissent. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo. Faudra postuler sur sa chaîne, évidemment, pas sur la mienne. Sinon, ça marchera pas. Il y en a deux qui l'ont déjà fait. Je leur ai dit, bah non, les gars, c'est pas là. Faut que vous alliez sur sa chaîne. Bon, et c'est vrai que la dernière vidéo date du 21. 21, ça fait déjà une semaine à peu près. Franchement, ouais, je suis désolé parce que j'ai eu pas mal de trucs à faire cette semaine, tout, et puis des projets assez, on va dire, quelques projets assez longs à faire. Entre autres, ce que je vous prépare comme projet, je vais vous le dire rapidement. Alors, rapidement aussi. Un merci, un gros merci à Titoux, hein, pour m'avoir fait cette image que j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai mis en fond d'écran. Franchement, j'aime beaucoup son image, c'est un cadeau qu'il m'a fait, donc je le remercie. Hein. Franchement, merci à toi. Donc, je mettrai sa chaîne dans la description pour vous y aller jeter un coup d'œil. Donc, bon, voilà les vidéos que j'avais eu l'idée de faire. Donc, bon, ça s'est fait. Donc, le tuto d'aujourd'hui sur Elite Trainer, donc pour débloquer tout le contenu Elite sur For Delta One et W3, un live de W2, tuto PHP que j'ai déjà fini. Une MOBO 1v1, il faut la faire en musique, mais bon, je sais pas si je vais la mettre, et un live MW3. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le live MW2 et MW3, je les avais capturés avec Action Mirrorism, la version piratée. Et même si c'était la dernière version de manière officielle, même si elle était piratée. Et du coup, des lives, on a fait deux lives il y a déjà une semaine, et je les ai perdus. J'ai fait une mauvaise manipulation, de toute façon, même je crois pas que j'aurais pu les prendre, vu que j'arrivais pas, on va dire, à les mettre dans Vega, donc ça aurait été assez chaud. Bref. Donc on va en refaire, donc c'est pour ça que j'ai eu on va dire quelques intempéries. Et puis bah pareil, Elite Trainer, je voulais le faire ce matin, mais là For Delta One ne marchait pas depuis ce matin. Et là voilà, j'ai essayé comme ça au pif tout à l'heure, je me suis dit non merde, c'est vrai que ça marche pas. Et si, c'est bon, ça marche. Bon bref, donc on va partir directement sur le tutoriel. Alors Elite, 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 là, voilà. Alors Elite, comment ça s'appelle? For Delta One Elite Trainer. Donc c'est un abonné qui m'a proposé de faire ça, de faire ce tuto là, parce que bah, je sais pas, peut-être qu'ils savaient pas comment ça, enfin, comment on fait pour que ça marche ou autre. Donc je vous mettrai ce lien là dans la description. Ou ouais, je mettrai ça dans la description. Je mettrai pas sur mon site. Parce que c'est pas vraiment mon travail à vrai dire. Donc Insane, lui, MPGH Insane, l'a rendu disponible sur Multiplayer Game Hacking, il me semble que ça veut dire. Donc il l'a mis sur ce site là. Mais les crédits vont à Mastumor de For Delta One, donc c'est lui qui a donc fait cet outil qui permet de débloquer les opérations spéciales, je crois, les emblèmes, et mettre un clan tag. Donc on va voir ça tout de suite. Donc vous pouvez le télécharger en allant en bas de la page, ici, là, pardon, en dessous, voilà. Vous le téléchargez, vous l'enregistrez et vous mettez donc le .exe dans votre dossier MW3, enfin de préférence, hein, vous pouvez le mettre ailleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut l'exécuter à chaque lancement pour que vous ayez tous les titres et tout. Donc ça va être très simple, on va le faire ensemble. Donc déjà, vous commencez par... Alors, imaginons que si jamais je lance... Si jamais il se lance... Là voilà. Vous voyez ici, waiting for NW5M, donc ça marche que pour NW5M, pas pour Technogoz. Donc il faut donc lancer NW5M. Voilà, j'espère que ça va marcher. Non. J'espère que ça a marché, parce que si ça marche pas, je suis quand même dégoûté. Voilà, ça marche, nickel. Ok. Donc là, vous voyez, on est bien sur W5M, on peut voir ici, R25, tout bref. Quand je vais dans Play, Connecting to Online Service, voilà, nice. Donc Call Scene, Titles. Alors, je sais pas ce que c'est, XP et XP, là, peut-être le double XP arme, double XP, je sais pas quoi. Chat. C'est quoi ça? Chat. Pourquoi j'ai écrit chat?
Je sais pas. Bon. Je sais pas. Bref. Donc dans les titres ou dans les emblèmes, on va pouvoir donc tout débloquer. Donc c'est très simple, on va commencer par title and clan tag. Alors, c'est très simple. Les titles, je vais tous les, comment dire, les désélectionner. Enfin, vous savez, les trucs qui sont en vert là. Hop là. Ok, voilà. Et donc vous allez voir, je vais faire, allez, bim, unlock, hop là, new, special ops, bon bah je vais aussi unlock, et l'emblème, unlock, bon bah apparemment j'en ai, j'avais déjà unlock, j'ai l'impression, ouais je sais pas, oups, hop là, donc l'emblème et tout, voilà, nickel. On peut voir que j'ai les titres, élite, voilà, les voilà, hein, élite, les différents titres, trop dark et tout, voilà. Il y en a d'autres plus loin, je crois, ouais, ils sont là, bon c'est pas grave au pire, on s'en fout. Ensuite, on va donc aller dans le... cette clan tag, donc le clan tag, hein, ça va être un truc qui va être normalement à gauche de mon pseudo. Et genre, on va mettre, allez, on va mettre quoi? On va mettre wesh, cet hit. Alors, et wesh, on peut voir voilà qu'il est apparu là en fait. Finalement, je connais pas du tout Elite ou autre hein, sur PC, même console, donc je peux très bien me tromper. Le wesh, nice. Change camo, alors ça, c'est particulier quand vous êtes dans vos classes, voilà. Vous voyez, là, il n'y a rien. Derrière, là, il y a une texture. Là, il y en a une. Et là, il y en a encore une autre. Vous voyez. Alors, si je vais sur classe 1, et que je regarde, par exemple, classe 1, si je fais ça, je fais change it. Vous voyez, il y a cette texture-là qui est apparue. Donc, en gros, c'est pour customiser vos arrière-plans d'armes. Bon, c'est vraiment que du... comment dire, que du détail, quoi. Hein. Par exemple, là, si je prends le 2, le 2, par exemple, je mets celui-ci. Alors, je sais pas si ça va marcher. Ça marche. Et donc... le 2 ici, c'est pour bah, celui qu'on avait juste avant. Est-ce que j'ai appuyé? Change it. Voilà, le 2 ici, c'est pour ça. Donc, Winter, c'est celui-ci avec l'espèce d'arbre. Enfin, c'est du vent, quoi. Et le 2, c'est Marines is Marine. Voilà, 1 is Winter, 2 is Marine. Donc, voilà, pas très compliqué. Ensuite, les titres custom. Alors, ça, c'est pareil. Hein. C'est très simple. Là, vous pouvez mettre des couleurs. Logiquement, le titre custom il devrait apparaître là-dessus à la place de. Enfin, je sais pas quoi. Genre, je vais mettre wesh en bleu, blanc, rouge, comme j'ai fait pour 2v3. Donc, bleu c'est poil 2v2, pardon, 4. Merde, on faisait comment déjà? Bah, je vais mettre. Oh, bon, c'est pas grave, hein. Au pire, vous m'excuserez. Bleu, blanc et rouge. Donc, le rouge c'est 1. Wesh, avec un point. 7 hits, voilà. Et là, vous voyez, hop là, wesh, j'ai mon nom, le nom wesh sur mon. Sur bah mon truc tout simplement hein. Choose title, donc open. Alors là voilà, on peut mettre les différents titres the title background you want to use. Donc en gros c'est, je pense, plus rapide que d'aller dans call sign et title apparemment hein, ça serait peut-être plus rapide. Ah non, peut-être que c'est ceux qu'on n'a pas encore débloqué. Donc on va voir ça, vous allez voir, tac. Donc là vous voyez hein, j'ai le truc vert et moche derrière. Là bah, admettons on va mettre la grosse baleine. Hop là, j'ai la grosse baleine, voilà. Nice. Ah, les pompiers qui sont sortis chez moi dans ma campagne, c'est rare, hein, putain. Voilà, donc en gros, peut-être toutes les pages et tout. Donc je pense que logiquement, voilà, si. Je sais pas, il n'y a pas de moyen de sauvegarder ou autre. Alors, reset, non, je sais pas, on va faire. Ouais, je sais pas, on va faire un upload stat. Ça m'étonnerait que ça marche ou autre. Hein. Pff, pardon, ça marche pas. Si jamais je fais quit, ok. Et que je relance. À vrai dire, c'est pas le truc que je me servirais très souvent. Ça c'est clair et net. On va bien voir. Mais je sais que hier, ça m'est pas sauvegardé. Donc bon. Ouais, voilà. Vous voyez, ça sauvegarde. Ah si. Le wesh, c'est sauvegardé. Les titres élites, non. Non. Ouais, pas les titres élites ou autre. Et les emblèmes, bah, ça avait pas été débloqué. Donc, bah, comme ça. Ça s'est fait. Oula. XP. Ah oui, ouais, c'est ça, c'est le double XP quoi en gros. Hein. Double XP, je sais pas quoi ça correspond. 24 855 jours. Ah, il est quand même presque pour 10 ans. Ouais, bon. Donc, bon, bah voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce petit logiciel là qui est assez sympathique, faut l'avouer. Not custom text does not work with the default to change your. D'accord, donc après, apparemment,
Bah, je sais pas, c'était dit que c'était pas censé marcher. Bon, voilà quoi, au pire, ça marche. Voilà, donc bon, bah, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Franchement, c'était rien de très très compliqué. Un abonné me l'avait demandé, mais c'était rien de très très compliqué, donc je savais pas trop quoi vous dire dessus. À venir sur ma chaîne, donc je vous le précise un petit peu pendant les vacances, donc le tuto PHP qu'une personne m'a demandé. Donc ce tuto là, si jamais il y a des PHP, on va dire ça comme ça, qui me regardent, ça sera donc sur une fonction, la fonction rechercher. Donc je vais vous le montrer rapidement si jamais vous êtes intéressé d'aller voir, de venir voir ça. Alors ça se lance, ouais, c'est derrière. Donc WAMP, voilà. Si jamais vous êtes intéressé, hein, par le PHP, tuto YouTube, voilà, recherche d'image. Donc en gros, vous pourrez donc envoyer un fichier. Alors, je vais quitter le jeu en arrière-plan, ça fait un peu de bruit, voilà. Vous pourrez envoyer un fichier, par exemple celui-ci, hop là, très bien le uploader, par exemple, voilà, donc un système d'upload que je vais vous montrer. Un système donc de recherche avec, bah, les noms des fichiers et tout. Par exemple, voilà, rechercher tous les fichiers qui contiennent le mot 400. Ou juste qui se nomme 400, voilà, et puis bon, plus télécharger l'image, enfin, et l'ouvrir, etc. quoi. Donc, ça c'était l'image que Naruto m'a filé tout à l'heure. Enfin, voilà, donc petite vidéo PHP et un live. Alors, le live sur W2, je pense que soit on va le faire sur Steam, je sais pas, ou sur For Delta One avec un zombie, à voir. Et le live MW3, on le fera sûrement sur Steam, et puis on verra quand est-ce qu'on fera ça avec les membres de la Team Wesh. Et voilà, donc je pense que d'ici la fin de la semaine prochaine, vous aurez peut-être à peu près toutes les vidéos que je viens de dénoncer. Et ah oui, non, je ferai une autre vidéo à part annonce. Je pense que je la ferai. Je vais la faire quand? Je vais la faire quand? Je vais la faire là, juste après là. Voilà, bon, allez. Bah, sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'essaierai d'y répondre. Puis bah voilà, je pense qu'il y en a un autre à dire. Sur ce, bah moi je vous souhaite à tous de passer des bonnes vacances, de bien commencer vos vacances, même malgré que le temps risque d'être un peu merdique un peu partout, mais bon, bien commencer vos vacances, et puis bah reposez-vous bien. Allez, salut tout le monde.